monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Ça va être la vidéo, en fait, des colos terminés depuis le début de l'année. Sachant que je n'ai absolument pas du tout été... j'ai essayé de la faire tous les mois, peut-être jusque fin mars. Et encore, je suis même pas sûre. Et après, manque de temps, etc. Je ne l'ai pas faite. Donc, vous allez avoir un concentré de coloriage terminé du mois de janvier à fin juin. Voilà. On va regarder ensemble. En même temps, je pense que je vais remplir mon tracker parce que je n'ai pas été ultra sérieuse. Donc, je ne l'ai pas rempli du tout correctement. Voilà. Je m'en doutais hein, que j'allais pas m'y tenir. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais. Alors, on va faire petit à petit. On commence par le premier colo de l'année que j'ai fait. Ce serait bien que je parle français. Je vais peut-être rester debout parce que, en fait, il y a la bibliothèque à côté et je n'ai absolument rien sorti. Alors, le premier, c'est dans les vitraux de... Je vais peut-être vous remonter pour le coup. Je vais vous remonter un peu. Hein. C'est pas grave, vous n'aurez pas... c'était la petite souris. Enfin, moi, je l'ai noté la petite souris parce que voilà... Et en fait, je l'ai fait un peu à l'instar, elle le sait, hein, je lui avais dit, de comment l'avait fait Plim, parce que j'adorais sa version. Donc voilà, la petite souris que j'ai faite, et j'ai pris en fait les couleurs, alors pas à l'identique, hein, j'ai fait mes propres combos, c'était avec les Albrecht Dürer d'ailleurs que j'avais eu pour Noël. Puisque en fait les vitraux je les fais que au crayon aquarellable. Mais j'avais pris en fait sa palette de couleurs. Voilà. Et j'aime bien. Franchement, j'aime bien ce que j'ai fait. Donc est-ce que le tracker va être à jour là-dedans? C'est une très bonne question. Je ne vais peut-être pas regarder à chaque fois parce que sinon en fait la vidéo elle va durer une vie. Toutes les étiquettes bleues, c'est les livres qui ne sont pas commencés. Bon, j'ai pas mis. J'ai pas mis à jour, vous me direz, alors peut-être que il y en a qui sont... En plus, mon tracker, il y a des livres, du coup, je les ai plus. Il faudrait que je le refasse, en fait. Mais comment ça me saoule? Vous imaginez même pas. Parce que quand même, ça m'avait pris un peu de temps, en fait, de le faire. Vitro 2, j'ai foutu ça... Ouais, en plus je m'étais plantée parce que là j'ai collé le Color Morphia alors qu'en fait c'est le World of Color. Ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, en fait il faudrait que je refasse mon tracker quoi. Et puis moi l'appli, franchement tout rentre à la main, comment ça s'appelle, Buddy Colo là, mais flemme de ouf quoi. Le cercle de la vie je l'ai plus, donc voilà. Du coup, les vitraux 2, je l'ai noté. Non, en fait je l'ai pas noté, je l'ai pas mis dedans. En fait, je tourne les pages depuis tout à l'heure, mais je ne lis pas les... Ah, je ne l'ai peut-être pas mis, en fait. Donc déjà, ça part mal. Ah si, je l'ai mis. Mais j'ai dû le noter. Alors déjà 17, il est là. On va tout de suite le machiner hein, parce que vous voyez, c'est pas du tout à jour. 17. Je l'ai fait. Voilà, on le barre. C'est bien. Ad, t'as pris un crayon foncé, comme ça tu vois pas les numéros en dessous, c'est impeccable. C'est n'importe quoi. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31. Ah non, c'est lui, 31. Donc c'est bon, il est noté. Voilà. Je vais mettre ça là. Hein. Ensuite, je suis allée... dans un pétrage échette Tova, et ce qui est super... Ah oui, la name page. Mais alors, c'est lequel? J'ai pas noté le nom. Ça doit être celui-là.
Ouais, j'ai fait celui-ci. Et là, alors, est-ce que je vais avoir noté? En fait, vous savez ce qu'il faudrait que je refasse? En fait, il faudrait que je refasse mon carnet, mais par ordre alphabétique. Histoire de quand même gagner du temps pour retrouver quoi. Parce que là, vous voyez, c'est nimpe. Mais c'est vraiment nimpe. Qu'est-ce que c'est celui-là? Viti, oui. Ouais. Et je l'ai noté. Ok, donc ça c'est bon. Je vais laisser de côté parce que je crois que j'en ai fait un autre. Ensuite, je suis allée dans le pin-up d'Amandine Young et j'ai fait Serena. Alors, Serena, c'était laquelle? C'était elle. Donc, c'était elle. Et là, est-ce que je l'ai noté? Non, mais ça va être trop chiant de re-regarder mon tracker. En fait, je vais le refaire. Hein. On va dire que je vais refaire mon tracker. En fait, je vais le refaire au propre. Je vais coller les petites... faut que je les mette de la même taille. Et surtout, faut que je le fasse dans l'ordre alphabétique, en fait, parce que là, ça va pas. Donc, j'ai fait celui-ci. Ah, alors après, j'ai fait... Sandra. C'était... Ah bah, c'est celle d'après. J'avais fait celui-ci. Donc ça, c'est toujours au mois de janvier. Lightfast aquarelle. Ensuite, j'étais allée dans le Seasons. La page 3. Ah ouais, mais c'est mon vieux Seasons. Alors attendez, il est où? C'est celui-là. Et la page 3, c'est celle-ci. Et du coup, j'avais fait la page 2. Voilà, j'avais fait la double page. J'adore cette double page que je n'arriverai jamais à refaire dans mon autre Seasons que j'ai prévu de recommencer. Mais bon, c'est pas grave. Bon, je laisse de côté parce qu'il y en aura d'autres. Ensuite, je suis allée dans le Mythomorphia. Et ça, c'était... C'était pour le groupe de Simone, de la chaîne de Simone Color. Avec Marilyn, elles avaient créé un groupe et on avait fait le lion chinois. Il est où? Attends. Ah bah j'ai pris le Wonder Morphia, mais n'importe quoi. Cette vidéo va très très bien se passer, les amis. Ah là 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 là. Non mais nimp. Il est... Oh, j'ai toujours... Lilise, elle va me tuer. J'ai toujours pas... En fait, j'ai toujours pas repris ce coup. Voilà, et j'avais fait celui-ci, la double page qui avait quand même été assez longue. Hein, on va pas se mentir. J'avais mis des paillettes et tout, mais j'aime bien. Alors ensuite, j'étais allée. Ça me fait faire un peu du sport parce que du coup, je reste debout et tout. Dans le Seasons, à nouveau, et j'avais fait la page 4 et 5, donc bah, c'est simple, ce sont ces deux-là. Celle-ci, j'aime pas du tout. En fait, je m'étais foirée ici au niveau des pics de glace, donc déjà, ça m'a calmée. Par contre, celle-ci, je l'adore. J'avais mis du Glossy Accent, je l'adore. J'avais fait un fond, bah, c'est des fonds à l'aquarelle, hein, de toute façon, donc comme quoi... J'ai bien utilisé mes aquarelles cette année. Franchement, je suis contente. Enfin, pour l'instant, depuis le début de l'année. Donc ça, c'était pour le mois de janvier. En février, je suis allée dans le Soulmate. Et ça dit que j'ai fait la page 42. C'était laquelle ? Bon, bah, je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait hein, dans le Soulmate. On va gagner du temps parce que j'y suis allée que cette année. Donc, j'avais fait cette double page. En fait, à la base, j'avais cette page-là à faire en duo avec Plim, qui avait fait d'ailleurs une version trop canon.
Et du coup, moi, j'avais fait la double page, puisque maintenant, dans la mesure du possible, j'essaye de faire la double page, comme ça, c'est fait, en fait. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc, celui-ci, c'était en trio avec Orochiwa et Clio. Je m'en souviens très bien. Et il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quand c'était, parce que je crois que je ne l'ai même pas noté. Du coup, j'ai fait la page d'à côté pour que la double page soit faite et qu'on n'en parle plus. Et mon hibou, je l'ai fait tout en doré avec l'encre Winsor & Newton. Mais par contre, il a fallu que je mette beaucoup, 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 beaucoup de couches. Et en fait, j'ai voulu faire le fond noir comme ici. Mais déjà, juste le fond noir, ça m'a pris un temps fou. Franchement, cette page, j'ai mis beaucoup de temps. Ensuite, alors j'ai fait ça. Cette double page absolument horrible. Donc, j'avais fait les cheveux, je m'en souviens trop. J'avais essayé les marqueurs acryliques RTX. Non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai même pas colorié l'intérieur des bouches, là. Enfin, des gueules, des serpents. J'avais fait le fond au distress. Et cette double page, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus des serpents, les amis. Mais c'était horrible. Donc ça, c'est ce que j'ai fait depuis le début de l'année hein, dans ce livre, parce que j'avais jamais été dedans. Et j'ai fait celle-ci. Donc en fait, j'ai fait celle-ci, c'était pour la Battle des Duos de Colorfila. Et du coup, bah évidemment, double page oblige. Donc j'avais fait la double page. Et franchement, je suis assez contente. Voilà. Donc celui-là, je le range, parce que je vous les ai tous montrés. Ensuite, c'est le Forest. Et là, j'ai aucun souvenir d'avoir été dans le Forest. Qu'est-ce que j'ai fait dans le Forest? Ah, puis je crois que c'est un colo que j'aime pas. Ouais, j'ai fait celle-ci. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai fait, en fait, dans le Forest, d'ailleurs. J'avais fait ça, qui est très moche, la name page. Mais ça, je l'ai fait l'année dernière. Donc voilà, ensuite j'ai fait, alors c'est écrit portrait de Mario Labudec. Le problème c'est que moi les portraits de Mario Labudec, je les nomme pas, je les numérote pas, donc je vais sortir en fait tous les portraits de Mario là que j'ai fait cette année. On va gagner du temps, d'ailleurs il y en a un qui est pas posté, c'est un duo avec Lilise. Lilise, si tu passes par là, bah écoute, tu me diras quand on le poste hein. Là, je l'ai fait cette année, je crois. Celui-là, je me demande si je l'ai fait cette année, celui-là ou pas. Bon, je sais pas, je vous le montre dans le doute. Ah non, celui-là, je l'ai fait cette année. En fait, c'est simple, ils sont pas ceux que j'ai fait cette année, je les ai pas plastifiés. Donc, je vais vous montrer celui-là et celui-là. Voilà. Alors. Donc, un portrait. J'ai fait celui-ci de Mario Labudec. Donc, ça, c'était... Non, c'était pas un duo. Je l'ai fait toute seule. Pardon, j'ai bugué. Alors, ça, c'est pas Mario Labudec. Je vous montre en dernier. Ensuite, j'ai fait celui-ci que j'adore. Je l'adore, celui-là. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc là, pour le coup, c'était en duo avec Lilise, qui a fait tout un effet or pour Septembre en or. Franchement, son colo est tellement canon. Bon, vous l'avez déjà vu, je pense, parce qu'elle l'avait fait en live. On les a pas posté on n'a pas posté notre duo, mais bon. Ensuite, j'ai fait celui-ci, que j'adore aussi. En fait, c'est un colo que j'avais retrouvé. J'avais fait le fond au bruchot pour vous faire un tuto... pour vous expliquer comment en fait j'applique les bruchots, parce qu'en fait je verse comme ça, mais après avec un pinceau je viens un peu frotter pour qu'il y en ait bien partout en fait du pigment, et après je pchite de l'eau en fait. Bon, après j'ai fait du caca, hein. On va pas se mentir. Et j'ai fait celui-ci, c'est le dernier que j'ai fait en duo avec Ellie. Pareil, j'adore, simple, efficace. J'adore ses cheveux. Je sais pas, je crois que c'est la première fois que j'arrive à faire des cheveux comme ça en fait. Donc pour les portraits, voilà. Et ensuite j'avais fait celui-ci et ça. C'est un portrait de qui ça?
Je sais plus. Je l'ai noté dans mon carnet. Quand je retomberai dessus, bah, vous l'aurez vu. Voilà. Donc, ça, c'est tous les portraits que j'ai faits depuis le début de l'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Page 2, mystère. Ah oui. Bon, je vous les montre quand même. Alors, mes mystères. Ils sont où? Ils sont là. Donc, bah, c'est simple, je ne suis allée que dans ces deux-là. Donc, j'ai fait... Donc, c'est le hiver. Et vous savez, moi, je l'ai fait que au marqueur acrylique Arte-X, notamment. Ou... comment il s'appelle? J'utilise aussi les Karine. Et qu'est-ce que j'ai d'autre en marqueur acrylique, là? Oui, bah, principalement les Arte-X, quoi. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait Pimpin. Lui, je l'adore. J'ai fait celui-ci. Celui-ci, que j'aime pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Pareil, celui-là, je l'aime pas. Celui-ci. Là, vous devez vous dire, mais en fait... Tu les as pas postés, non, c'est clair. Il y a tellement de trucs que j'ai pas postés. Et puis franchement, les mystères, je les poste encore moins. J'ai fait celui-ci. Celui-ci. Et après, celui-ci. Voilà. Et je crois que j'en ai pas fait d'autres parce que je l'ai fait dans l'ordre. Et ça, c'est le saison. Et pour les mystères, eh bien, j'en ai pas fait d'autres. J'en ai pas fait d'autres. Cette année en tout cas. Après, dans le pin-up, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer tout le pin-up. On va gagner du temps. Hein. Ah ouais, mais non, je sais plus lesquels j'ai fait cette année. Donc non, je vais pas vous montrer tout le pin-up. 2, 3, 4, 5. J'ai fait Lucille. Qui est là. Celui-là, j'avais pris mon temps, hein, parce que si je le foirais, je me faisais tuer par Clio. Donc, j'ai fait un fond au panne pastel pailleté noir. Après, j'avais fait un contour noir au marqueur acrylique. Et puis, j'avais mis plein de... J'ai mis du glossy accent aussi dans ses yeux et dans sa bouche. Ça, c'est cool quand c'est que en recto, parce qu'on peut en mettre. Sinon, quand c'est recto verso, après, c'est un petit peu chiant pour colorier. Voilà, j'ai fait Lucille. Ensuite, je suis allée dans le Witch Cottage. Je m'en souviens carrément plus. Ça, c'est un colo que je ne dois pas aimer. Et que j'ai dû carrément foirer d'ailleurs. Donc, j'ai fait celui-ci. Paillettes à gogo. D'ailleurs, ça, c'est un duo avec Clio. Je crois qu'on l'a même pas posté non plus, d'ailleurs. J'ai fait celui-ci. Alors ça, j'ai fait un test d'aquarelle avec du gros sel que j'ai laissé toute une nuit. Catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Ça a tout tué. Voilà. Et non, ça j'avais fait l'année dernière. Donc voilà, il n'y en a pas d'autres pour cette année. Ensuite, on passe à mars. Ah, la pin-up, la bretonne. Merde, elle est où la bretonne? La bretonne, je vois très bien, j'avais fait un fond avec un pochoir, ça avait tout bavé, j'avais galéré. Elle est là, voilà. Donc j'avais fait ça, vous voyez, ça a tout bavé, impeccable. Parce qu'en fait, j'avais pchité du distress, vous savez, du distress en pchit. Et ça avait tout bavé et tout. C'était nimpe. Ensuite, je suis allée dans le Annaline. Il est où celui-là? Oulala, on va le trouver.
celui-là. Donc j'avais fait celui-ci. Dans le Fantasy Face. Et je ne suis pas retournée dedans. Voilà, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? La geisha dans le pin-up. Ok. Elle est là. Donc ça, je m'en souviens, j'ai fait un fond au marqueur acrylique Arte-X. Je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais ça va. Allez, ça passe. Ensuite, le Art Déco. Spéciale dédicace à Lucille qui va passer par là parce qu'on n'a jamais posté ce colo. Donc, c'était Aurore. Alors, c'était lequel? Oh, puis je crois que j'aime pas ce que j'ai fait. C'était lui. C'était lui. Et en fait, alors, j'ai rajouté du Mod Podge à fond. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai dû mettre de l'acrylique noir, mais en fait, il y a tous les traits qui sont restés derrière. Puis ça a fait une démarcation de ouf, quoi. Donc j'aime pas du tout ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, donc les mystères, je vous les ai fait voir. Double page dans le Summer Night. Donc là, je m'en souviens parfaitement. C'est elle. Ça m'avait pris un temps fou, fou, fou. Et je l'avais fait d'ailleurs avec les Mitsubishi. Ah oui, tiens, les Mitsu, ils ne sont pas dans mon cahier non plus. Avec les Mitsubishi, j'avais testé les Mitsu, notamment pour les cheveux. J'adore ma page de gauche. Mais ici, ce sera à refaire. Je ferai peut-être différemment. Voilà. Et après, je crois que j'en ai pas fait d'autres. Ça, c'était pas cette année. C'était pas cette année. Ensuite, je suis allée à nouveau dans un Petra Jechette Tova et c'était le dernier. Donc, clac, clac, il est où? Il est là puisque je l'ai laissé de côté. Et je me souviens parce que je l'avais fait en partie en live avec vous et j'avais fait celui-ci. Trop beau, j'adore. Franchement, j'adore. Après, le cadre était... j'étais un petit peu... Enfin, j'ai un peu merdouillé parce que je trouvais que le cadre était trop large en fait. Mais bon. Voilà. Ensuite, j'avais fait Emily dans le pin-up. Alors ça, c'est un de mes colos préférés que j'ai fait. Et c'était une dédicace à Emily Panoramimix. Donc les fonds, c'est acrylique, les contours aquarelle, etc. Et j'adore cette pin-up. J'adore ce que j'ai fait. Pour le coup. Sans prétention aucune. Ensuite, le Swimmage, je vous ai fait voir. Ça, je vous ai fait voir. Ah oui, Fragile World de Kirby. La petite souris hamster en groupe. Alors, faut que je la retrouve. Hein. Ça, c'était l'année dernière. Ça aussi, ça aussi. Pourtant, j'adore, c'est mon préféré de Kirby Rosane. Ah, voilà, elle est là. Ma petite souris hamster. Donc, on avait fait à plusieurs. J'avais créé un groupe et les filles l'avaient fait aussi. Donc, c'était vraiment super chouette, en fait, d'avoir les versions de tout le monde. Voilà. Ensuite. Alors, le City Machin de Anna Carlson en duo avec Clio. Je ne me souviens même plus ce que c'est. Ah, c'était ça. Ouais, je n'aimais pas. Je n'aimais pas ce que j'avais fait. Je l'avais fait vraiment rapide ou hélico celui-là. Et j'en ai fait qu'un dedans. Donc, vous voyez, c'est nul. Ensuite, la petite sirène d'Amandine Young. Ça, c'était pas un duo avec Ellie. Pas du tout. Non, c'est moi qui l'ai fait toute seule. Je l'avais fait en live d'ailleurs. Donc, j'avais fait un fond
à l'aquarelle, hein, franchement, on peut pas dire que j'ai pas utilisé l'aquarelle cette année. Hein. Voilà. Ensuite, le mot d'ordre de cette vidéo sera ensuite avril. J'ai fait le lapin de le Magic Hour de Carolina Kulikowska. Et ça, je l'ai fait en trio avec Aline et Aurel, si ma mémoire est bonne. Bah, il est où? Alors, ah, attends, un truc, donc, là. Il est là. Donc j'avais mis, bon pareil, j'ai fait le fond à l'aquarelle. J'ai dû mettre après de l'aquarelle Sparks pour que ça brille. Et je me souviens, j'ai utilisé les Holbein. Et la révélation sur ce papier, je me suis dit, bah, en fait, faut trop utiliser les Holbein dans les Carolina. Ils sont trop bien. Voilà. Ensuite, ah oui, c'est un colo que j'aime pas du tout, qui est moche. Franchement, vous aurez le droit de le dire. Ton colo est horrible. Il est où? C'est le Drum Race de Maria Troll. Ah, je déteste, mais c'est moche. J'ai pas du tout aimé faire ce colo. Ça m'a saoulée. Voilà, j'ai fait ça. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Déjà, c'est les couleurs que j'aime pas. En fait, j'ai voulu utiliser les mêmes couleurs que les fleurs en vrai, hein, parce que j'ai regardé, mais j'aime pas du tout ce que j'ai fait. C'est horrible. Maria Troll, ça va là. Ensuite, je suis allée dans le Blanche-Neige de Amandine. J'ai quand même fait beaucoup de colos d'Amandine, hein, on va pas se mentir. Amandine, si tu passes par là. Mais ça, je crois que c'est un duo. Oui, tout à fait. J'ai fait celui-ci. Donc, j'avais fait le fond tapote de Panoramimix à l'acrylique. Et c'est en duo avec Ellie. Et toute la pomme, j'ai mis du glossy accent. C'est bien, en vidéo, je peux vous faire voir parce que moi, mes photos, elles sont toujours pourries. Je suis très, très nulle en photo et on ne voit pas du coup. Voilà. Je suis contente, mais pas plus que ça. Franchement, la version d'Ellie est beaucoup plus jolie, je trouve. Ensuite, je suis allée dans le Fairy Tales de Emily de Holoberg. Et ça, c'était un duo avec Clio. Et je me souviens, on s'est dit, ouais, ça va être rapide, petit duo vite fait. Ouais, non, pas du tout. Il nous a pris une vis colo. Donc, j'ai fait ça. J'ai mis, pareil, de l'aquarelle pailletée, de différentes couleurs. Je vous avoue, en toute honnêteté, que les fleurs m'ont tellement pris un temps de malade que j'ai fini le jaune juste en mettant une couche d'aquarelle. J'ai même pas ombré. J'ai juste repassé au marqueur acrylique sur les nervures des feuilles. Voilà, c'est tout. J'en pouvais plus. Clio, elle en pouvait plus aussi. C'était hyper long, ce colo. Double page dans le Seasons. Ah, double page dans le Seasons. En fait, je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait dans le Seasons, on va gagner du temps. Donc, j'avais fait ça. Ah, ça doit être celle-là. J'avais fait celle-ci, je l'adore. Stickles à gogo, ça brille de mille feux. J'adore ce que j'ai fait, hein, et je vais le recommencer. Je sais, vous avez le droit carrément de me juger là. Mais vraiment, en fait. J'ai fait ça aussi. Ça, non, je crois que je l'avais fait l'année dernière. Et après. Cette année, non, ça, je ne l'ai pas fait cette année. Ça, c'était l'année dernière. Bah, ça, je l'ai fait cette année. Il me semble. Ah, je ne sais plus. J'ai un doute. Ça non. Ça non plus. Ah, nous avons un petit invité parmi nous. Ensuite, l'homme clown de Frix. Bah, ça, je l'ai pas. La fée clochette dans le vitre 2.
l'ai vu en plus tout à l'heure. Voilà. Simple, rapide, efficace. Alors, ces ailes, je ne sais pas trop si vous allez voir. J'ai mis de l'aquarelle pailletée claire. Bon, simple, rapide, efficace. Évidemment, fait au crayon aquarellable. Donc ensuite, j'ai noté dans mon petit carnet Pencolo. Donc là, c'est là où j'ai fait tous mes... Comment ça s'appelle ? Mes mystères. Ensuite, ah oui, dans le vitrou, hein. Je l'ai mis de côté. Mais d'ailleurs, je crois qu'on ne l'a pas posté non plus. Clio, si tu passes par là, tu me diras aussi. Hein. En fait, on ne poste pas nos colos, nous, en fait. Donc, on a fait celui-ci en duo. Voilà, c'était chouette. Ensuite, alors, la boîte à bijoux. J'ai fait une double page, moi, dans la boîte à bijoux. Je m'en souviens plus. C'est un truc de fou, ça. Ah oui, j'ai fait ça. Tout à fait. Mais j'avais fait un fond au distress qui m'avait pris énormément de temps, d'ailleurs. Voilà, voilà. Donc, dans le Soulmate, les serpents, je vous ai fait voir. Portrait de Deria Carquisoy. Ah ouais. J'ai fait un portrait, moi. Ah oui, tout à fait. Je l'ai vu en plus. D'ailleurs, ça va faire que je le classifie. J'avais fait celui-ci. Que j'ai été hyper rapide d'ailleurs à faire. Voilà. Nous arrivons au mois de juin. Alors, au mois de juin, Imaginary Friends. Bon, bah là, je vais vous faire voir tout ce que j'ai fait hein, dans l'Imaginary. J'ai fait celui-ci. Il y aura des spoils de juillet, mais c'est pas grave, c'est début juillet. J'ai fait celui-ci. Non, celui-là, je l'ai déjà fait. Celui-ci que je déteste au plus haut point. Celui-ci. Et puis, je crois que c'est quand même... Ah non, j'ai fait celui-ci. Ah, nous avons Umao qui arrive. Et là, bah, je vais pouvoir vous le faire voir en vidéo. En fait, dans la boule de cristal, j'ai mis plein de Mod Podge pour que ça brille. Et après, je crois que c'est tout. Ah ouais, je suis allée dans un Rita Berman aussi. Alors, attendez qu'on passe dans l'ordre. Je suis allée dans le Midnight Masquerade où j'ai fait une double page. J'avais fait celle-ci. Puisque dans le groupe, on devait faire celle-ci. Et du coup, je l'ai fait en double page. Ouais, le Asien de Rita Berman. Je suis allée dans un Rita Berman. Truc de dingue. Ça faisait des lustres et des lustres que j'y étais pas allée. Et j'ai fait celui-ci. Petit colo, rapido. Enfin, rapido, non. Non, non, pas du tout rapido, parce que qu'est-ce que j'ai pris comme crayon? Enfin, j'ai pris une gamme de crayons où c'était du couche par couche et ce fut quand même assez long. Voilà, et je suis allée dans le Cendrillon d'Amandine. Et là, c'est une spéciale dédicace pour Amandine. C'était en duo avec Clio. Et on a fait le vitrail. Donc Amandine, si tu passes par là, spéciale dédicace. Je l'ai fait qu'au crayon aquarellable. Et j'avais utilisé les Mondéluses, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
parce qu'ils sont assez pigmentés. Donc franchement, c'était super chouette. Voilà. Et bah c'est tout pour. Enfin c'est tout, c'est déjà pas mal. Pour tous les colos terminés depuis le début de l'année à fin juin. Voilà, donc bah, résultat des courses, il faudrait peut-être. Donc non, je n'ai évidemment pas fait de Clara Markova. Là c'est sûr, j'ai pas fait de Clara. Donc il va falloir que j'en fasse parce que ça me. Bah déjà j'ai envie. En fait, j'ai envie d'aller dans tellement de livres que, à un moment donné, on ne peut pas être partout. Bon, pourquoi ça me passe, hein ? Je sais pas. Donc, Clara Markova, bah, va falloir que j'y aille quand même. Parce que l'objectif 2023, c'était quand même d'avancer le Fairy Miracle. Et après, bah, y a quand même des livres où il faudrait... Enfin, d'autres livres où il faudrait que j'aille aussi, quoi. Johanna Basford... Maria Troll, etc., etc., quoi, parce que du coup, voilà, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre où j'ai pas été? Enfin, il y en a trop, en fait. Tout ce qui est à Apple, Union, tout ça, j'y suis pas allée. Ouais. Ah, mais si, j'avais fait un portrait aussi. Bon, je sais pas où il est, c'est pas grave. Le Mystica aussi, il faudrait que j'y retourne. Bon, voilà. Donc, conclusion. C'est pas mal, mais c'est quand même pas la folie. Refaire, du coup, mon carnet de tracker dans l'ordre alphabétique. On va gagner du temps. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui me démotive. C'est tellement relou, en fait, à chercher, à trouver que, ouais, ça me démotive. Donc, il va falloir que je m'y attelle. Et puis, eh ben, on se retrouvera maintenant pour une vidéo bilan. Enfin, les colos terminés de l'année 2023. Avec le nombre de colos terminés. Je ne sais pas combien il y en aura. Il ne devrait pas y en avoir des masses non plus. Parce que je devrais être autour d'une centaine. Puisque là, j'en ai fait combien, j'ai dit? J'ai dit que j'en avais fait 47, je crois. Enfin, une cinquantaine, quoi. Donc ouais, ça sera autour d'une centaine, mais pas plus. Voilà, voilà. Et là, écoutez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.